Aujourd'hui, ma boîte vaut le détour est à Plabennec. On a rendez-vous avec Michael et Patrice Abarnou, les échafaudages Abarnou. C'est cette société qu'on va découvrir et je peux vous dire qu'on va prendre de la hauteur. Bonjour Michael. Vous allez bien ? Ça va bien, vous ? Spécialiste donc de l'échafaudage, l'aventure, elle a démarré comment ? Eh bien, l'aventure, elle a démarré il y a 19 ans maintenant. Donc, j'étais issu, moi, d'un milieu complètement différent, plutôt la marine marchande au départ. De là, je suis parti dans le monde du spectacle où j'ai touché un petit peu à l'échafaudage. Je suis rentré dans une entreprise qui travaillait sur l'Arsenal de Brest en échafaudage. Et de là, j'ai monté mon entreprise. 19 ans, le siège social ici à Plabennec. Mais il y a d'autres structures. Il y en a une du côté de Saint-Brieuc et une toute récente dans le Morbihan. Voilà. Donc, il y a 6 ans, on a monté l'agence de Saint-Brieuc à Pléreneuf. Et là, depuis janvier, on a une antenne sur le Morbihan, à Quévin. On a vraiment envie de faire l'effort sur l'Orient pour fermer un petit peu le triangle. On voulait vraiment avoir un triangle Brest, Saint-Brieuc, Lorient. Voilà. Donc c'est le but. Bon, quand on parle d'échafaudage, c'est monter donc ces fameuses structures autour, par exemple, de bâtiments pour venir faire un ravalement. Vous faites, par exemple, aussi des monuments historiques. L'échafaudage, ça va être vraiment du ravalement au couvreur, en passant par le charpentier, la réparation navale, les bateaux, des églises. On pose également des parapluies. C'est une activité qui est assez particulière, c'est-à-dire qu'on monte au-dessus du bâtiment, on vient poser une couverture temporaire, ce qui permet aux entreprises de venir travailler sous notre toiture provisoire. Ah, si j'ai bien compris, ça c'est un futur bâtiment qui va se faire échafauder. Oui, ça c'est un bâtiment sur Quimper. C'est une réhabilitation de 40 logements. Qui va se faire à partir du mois de mai. Voilà. Donc là, tu es en train de travailler dessus, tu es en train d'élaborer le plan, le comment va s'emboîter l'ego un petit peu. Ça va être un chantier d'échafaudage qui va faire quelle hauteur là ? On va être sur des hauteurs d'environ environ 10 mètres. Il va y avoir un petit peu plus à certains endroits. Combien de temps de montage à peu près là ? Tu as déjà une idée ? Ouais, ça va être des rotations d'environ 250 mètres carrés. On va être sur une semaine, une grosse semaine par phase à chaque fois quoi, de montage. Quoi. Par phase, c'est-à-dire que ça tourne, ça évolue, c'est comment ? Oui, voilà, ça va être 6 rotations environ. 6 rotations, donc on va faire tout le tour du quartier. Quoi. D'accord. Ouais. Donc là, c'est pour des travaux de désamiantage, de ravalement, des menuiseries extérieures. Vous embauchez pas des gens qui ont le vertige chez vous ? On évite. On évite. Michael m'a dit de venir te voir parce que j'ai envie de faire un peu de peinture sur ma maison. Il paraît qu'avec toi, je peux avoir le matériel qu'il faut pour monter l'échafaudage à 1 mètre, 1,50 m. Ça, on peut, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Toi, tu fais quoi ici ? Moi, je fais de la gestion de stock, en fait. Tout ce qui sort, tout ce qui rentre du dépôt par rapport au chantier, c'est moi qui le rentre, en fait, dans l'ordinateur ici pour savoir après ce qui nous reste, tout ce qu'on a dehors. Donc, en fait, toi, tu récupères les besoins matériels par le biais de Michael ou de Patrice, par le biais des bureaux d'études qui ont été sur place voir les chantiers. Tout à fait, comme c'est eux qui font les listes de matériel. Donc, moi, je regarde ce qu'ils ont fait. Je regarde ce que j'ai dans le parc pour savoir si on peut justement livrer par rapport à ce qu'eux ont prévu. Si jamais il y a des rectifications à faire, je le fais par rapport au matériel qu'on a, quoi. Si on a des longueurs qui manquent, enfin différentes longueurs ou autres, je rectifie le tir et puis on passe comme ça, quoi. Du coup, il en faut du matériel, il en faut du tonnage de matériel pour assurer les chantiers ? Il faut énormément de matériel, oui. Là, on est en stock entre les trois dépôts. On doit avoir 350 tonnes de matériel. Ce qui me reste, moi, pour les trois dépôts ici, actuellement, vu le nombre de chantiers qu'on a, il me reste 148 tonnes. Donc 200 tonnes de matériel là, qui sont sur les chantiers. Voilà, tout à fait, oui. T'es sur la fin de montage là ? Oui, on est en train de monter un échafaudage pour des peintres. Ouais. Donc ils vont refaire la façade avant et après on montera l'échafaudage pour l'arrière. Ils feront également la peinture. Bon, là ça t'a pris combien de temps ? Vous êtes à deux, hein, je crois. On est à deux à monter l'échafaudage ici. Ça vous a pris combien de temps ? On a commencé hier matin et du coup là on est en finition ce matin, donc un jour et demi quoi. Ça se passe comment ? Chaque barre, il faut les accrocher, les sécuriser, on monte étage par étage, c'est comme ça que ça se passe ? On monte étage par étage, donc après, vu qu'on n'est plus à hauteur d'homme, après ça se passe avec une corde, avec un système de poulies. Donc on monte le matériel élément par élément. Vous avez de la chance quand même, hein. Vous prenez de la hauteur, vous avez des vues qui sont parfois incroyables que d'autres n'ont pas. Ah oui, c'est sûr, on peut monter assez haut, jusqu'à 30 mètres parfois. Le chantier le plus important, le plus incroyable que tu aies fait avec l'entreprise Abarnou, c'est quoi ?
On a fait beaucoup de gros chantiers. On a fait l'Arena à Brest, par exemple. Donc là, il y avait 80 tonnes d'échafaudage, je crois. Ouais. Donc après, on a fait beaucoup. On travaille beaucoup à l'Arsenal sur les bateaux. Donc là, c'est pareil, c'est assez impressionnant. On peut faire parfois des suspendus, etc. Donc partir du haut pour aller vers le bas. Grégory et Mickaël viennent de finir cet échafaudage. Qu'est-ce qui se passe maintenant là ? Voilà, donc le montage est terminé. Je viens procéder, moi, à la réception de l'échafaudage. Donc je fais un contrôle de la structure, si les ancrages ont bien été respectés, le nombre d'ancrages, si les cales ont été bien clouées. Une fois que j'ai fait cette vérification-là, je viens mettre un PV de réception sur l'échafaudage et qui autorise du coup mon client à monter à l'échafaudage et à travailler dessus. Dis-moi, Mickaël, les échafaudages à Barnoux, c'est combien de salariés et combien de métiers différents ? Alors, donc, on est 28 personnes réparties sur 3 agences, comprenant la conception, la réalisation et la préparation. Donc, il y a 3 métiers sur 28 personnes et 3 agences. Eh les gars, c'est bon, hein. Le PV de sécurité, il est posé. Je crois que vous pouvez attaquer le ravalement. Impeccable, on va y aller alors. Bon courage. Hein. Merci. Monuments et ouvrages d'art, BTP, industrie, réparation navale, civile et militaire, et même spectacle. Dorénavant, quand vous pensez échafaudage à Barnoux, une boîte qui vaut le détour.